Mais je voulais te le dire avant que ça aille plus loin. Mais merci de me dire ça, c'est vraiment gentil. Ma soeur, c'est ton amie? Oui. Hein? Vous vous entendez bien ou... Oui, oui, on s'entend bien. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ben, depuis 6 mois. Toi, tu t'entends pas bien avec elle? Est-ce que tu es venue ici pour me rencontrer ou c'est des mensonges? Ben non, c'est vrai. Comment ça va, ton entreprise? T'as-tu vendu tout ton pudding? Oh, non, non, c'est pas à vendre. Pourquoi? Oh non, c'est pas à vendre. OK, mais c'est pourquoi? OK. Je te le dis à toi, mais tu gardes ça pour toi. OK. La marque No Names et Air Canada se sont mis ensemble pour faire une promotion. Si t'achètes 10 produits No Names, ça te donne 500 points Air Miles, 1000 avec les coupons. Moi, je pense qu'ils veulent pousser le poulet terrain qui ces temps-ci. Mais bon, l'autre jour, quand je suis allé à l'épicerie, j'ai vu qu'ils vendaient des puddings à 25 cents l'unité. Mais ils viennent en paquet de 4. C'est là que ça devient intéressant. C'est parce qu'il y a un code barre sur chaque pudding. Ça veut dire que si tu en achètes 10, ça te donne 500 points Air Miles, 1000 avec les coupons. C'est sûr que c'est une erreur de marketing, mais moi, j'en profite. Ça fait que si t'achètes pour 3 000 $ de pudding, ça te donne 1 000 000 d'Air Miles. Hey, imagine! Avec ça, t'as même plus besoin de t'acheter de billets d'avion pour le restant de tes jours! Je vais chez le psychologue une fois par semaine pour essayer de comprendre pourquoi j'ai pitché un couteau à l'eau. Ça, c'est plate en cibole. Votre vie à vous aussi est plate. Vous écoutez le monde, ça plaint à longueur de semaine, ce qui fait de vous la... personne la plus plate que je connaisse. C'est gentil. Le monde font toujours les mêmes affaires jusqu'à ce qu'un jour, bang, il se passe quelque chose. Et quoi donc? La mort. J'ai dû couper au moins 30 poissons avant de jeter le couteau à l'eau. Qui c'est qui peut se vanter d'un aussi grand nombre d'assassinats? Il me semble que plus je coupais des têtes, plus je coupais des queues, plus il y en avait devant moi. Je pensais que j'étais pour couper des têtes, des queues de poisson toute ma vie. Le mythe de Sisyphe. Hein? Poursuivez. Il n'y a rien à dire. J'étais couteau à l'eau. Parce que la tâche était trop ennuyante? Oui. C'est plate comme fin, hein?